pense qu'on sort d'une période, enfin on est même toujours un peu dans une période très particulière, qui aussi a renforcé des attentes et des perceptions des consommateurs. Pour 2021, je vois peut-être trois grandes tendances émerger, alors qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qui se sont renforcées avec la période très particulière qu'on a vécue. Je pense déjà que les consommateurs ont vraiment un besoin d'optimisme. Ils sont en attente d'une présentation optimiste du discours des marques. Ça ne veut pas dire pas parler de choses graves, mais ça veut dire toujours essayer de se tourner vers les dimensions, les aspects positifs d'un message. On a des exemples récents de communication qui font ça. Je pense par exemple à la dernière campagne du groupe mutualiste Vive, qui parle de sujets parfois très douloureux, en tout cas qui touchent de manière forte le quotidien des gens, mais en s'attachant véritablement à en montrer l'aspect et le versant positif. Je pense que c'est une des grandes tendances de communication. Ça peut être fait avec humour, c'est un des ressorts, ou peut-être une des recettes du succès, l'humour, ou en tout cas le traité décalé, qui est aussi une tendance forte, je pense, toujours pour 2021, avec des marques qui sont des emblèmes aujourd'hui de la communication. Tout à fait, et je pense que c'est aussi une des tendances qui se renforce sur 2021. On parle beaucoup d'engagement sociétal des marques, de RSE. On en parlera encore en 2021. Je pense qu'on en parlera encore, hein, toujours. Je pense que on est toujours dans cette attente des consommateurs d'un discours honnête, transparent, authentique, dans lequel la marque s'implique vraiment de manière positive pour faire changer les choses à son échelle, en fonction de son offre, de sa promesse. Tout à fait, il y a une vraie attente de légèreté, de registre décalé même, je dirais, qui peut même faire appel des fois à ce qu'on peut appeler la culture même chez les plus jeunes. C'est vraiment un registre qui met un pas complètement de côté avec des idées créatives qui peuvent être très loufoques. On parlait récemment de la campagne de partenariat de KFC avec Crocs, par exemple, qui est une très très belle illustration de cet aspect totalement décalé. Voilà, il fallait oser le partenariat et la Crocs avec des nuggets de poulet.